Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Comme vous allez le constater, le décor est planté, nous sommes à Cape Town. Donc derrière moi, c'est l'océan où nous sommes venus justement pour vous donner un peu d'ambiance de ce que nous vivons ici à Cape Town. Donc nous sommes au bord de l'océan et nous sommes en train justement de préparer cette grande émission ou ce travail que nous vous avions promis pour 2022, donc vers le mois de mars, nous allons faire ce travail-là, nous allons réunir et vous le présenter. Donc, prenez votre mal en patience, nous allons vous apporter quelque chose de très bien. Donc, nous sommes en Cape Town, mais nous nous sommes dit quand même que dans le cadre de nos émissions et dans le cadre de nos analyses que nous faisons chaque jour sur Contact Pro Live, donc nous allons continuer toujours parce que nous ne sommes pas coupés justement de notre pays. Nous sommes en contact et nous continuons à marteler sur ce que nous avions commencé à dire, les 145 territoires de notre République démocratique du Congo. Le projet 145 territoires a été adopté justement par le gouvernement et cela me réjouit. Pourquoi? Parce que nous en avions commencé à parler depuis longtemps. Nous avons commencé à parler de la réforme que nous devons faire pour faire décoller justement notre pays. Notre pays ne demande plus des histoires un peu à faire de gauche à droite, non. Mais notre pays demande à ce que nous puissions faire des réformes profondes qui permettra justement à ce que la base puisse se prendre en charge, qui permettra justement à ce que tout citoyen congolais puisse voir un peu de lumière dans l'avenir de ce pays, dans l'avenir de tout ce qu'il fait. Nous avons constaté que tout le monde se rue aux demandes de l'aide au gouvernement, de l'aide au président de la République, et cela n'a pas marché depuis beaucoup de temps. Beaucoup de temps que nous avions fait, donc le système que nous avions eu n'a pas marché, donc le système est toujours resté le même. Donc nous sommes convaincus que ce que nous avions commencé, ce que nous avions commencé à dire, nous sommes convaincus que petit à petit, il y a les oreilles et les gens qui sont au pouvoir, les gens qui viennent au pouvoir sont en train de nous rejoindre dans ce que nous disions que nous devons faire une réforme profonde des institutions de notre pays, du système qui nous dirige aujourd'hui. Alors, parlons-en un peu sur le 145 territoires. Mes chers amis, les 145 territoires constituent selon nous à Contact Pro Live la base qui devrait, laquelle on devrait prendre compte. On parle toujours de la base, on parle de la base, on parle du peuple, mais on ne sait pas ce qu'est le peuple. Aujourd'hui, laissez-moi un peu vous dire pourquoi les 145 territoires, pourquoi est-ce que nous encourageons la gestion de notre pays dans les 145 territoires. Donc, nous devons absolument définir d'abord qui est le Congolais. C'est ça l'article 10. Et le Congolais vit où? Et à qui appartient la terre? Nous voulons à ce que le changement, que ceux qui viennent en République démocratique du Congo puisse être un changement très profond, à ce que le Congolais puisse se retrouver en disant que non, ce que nous avions fait pendant 50 ans, il y a eu changement. Et que ce changement prend en considération que le peuple à la base, c'est-à-dire le propriétaire même de ce Congo, puisse se commencer à se sentir que non, il est l'acteur principal, le gestionnaire même de ce pays. Alors, quel est le système qui nous a géré pendant ces 32 ans, ces 50 ans où notre pays a existé? Rappelez-vous, je vais vous définir ici, que le Congo, c'est une agglomération, c'est une conglomération, c'est une association de peuples qui avaient effectivement leur terre. Et c'est ça que nous pouvons appeler la base. Selon l'article 10 de cette constitution qui nous régit aujourd'hui, le peuple congolais, c'est celui-là, la personne qui appartenait à une tribu, et cette tribu ou ethnie, les autres vont dire c'est ethnie, qui avait leur terre. Et que c'est cette personne-là, il a les aïeux, il a Azanabama Kamounenyoso, Nakatia, place Oyo Avandi.
mboka na eza nini ata tolobaka mboka na biso eza Congo mais biso nyonso bandeko mutu na mutu aza na place oyo motolu ya ba centre na ebazali oyo constitution na biso eza kolobake non eza kolobake non mutu wana aza na mabele na ye avandi pa na ye aza na makambu na ye nyonso asalaka. Donc il a le droit à se gérer lui-même. Mais ce que nous avions constaté, c'est que le système Otozanakati, Mundele Atikabiso, Atiakabiso, disons, je ne sais pas si ce n'était pas Mundele, parce que entre 1960 et 1965, nous avions vu que l'humiliation du multipartisme, du démocratie, de la démocratie était en train de se. Donc vous allez constater que nous sommes sur la côte, donc ici c'est le 6 pointes justement. Donc les gens vont commencer à passer, donc nous sommes en train de vous expliquer, nous n'avons pas vraiment besoin de... Okay. Nous n'avons pas besoin vraiment d'être... Nous vous avons voulu à ce que nous puissions avoir l'ambiance, cette ambiance de la mer où nous allons parler effectivement de notre pays. Donc... Qu'est-ce qui nous régit? Qu'est-ce qui nous a régi? C'est cet unitarisme dont nous voulons le changement. Le changement ne doit pas venir à ce que nous changeons les hommes, nous changeons les gouvernements, non. Le changement doit venir totalement. Le changement doit être radical. Et nous avions pensé que le président de la République avait cette opportunité d'apporter ce changement-là selon ce qu'il disait, selon ce que son père disait, que le peuple d'abord. Ça, c'est ça le changement que nous sommes en train de voir. Alors, le 145 territoires, ça veut dire quoi? Ce projet de 145 territoires, l'idée principale, c'est de remettre le pouvoir à la base. Ça veut dire quoi remettre le pouvoir à la base? Ça veut dire que la base doit se prendre en charge. Et la base doit être en contrôle de ses dirigeants. Il doit être en mesure de contrôler ses dirigeants, en mesure de dire que non, ce dirigeant c'est un voleur, nous allons le punir. La base doit être en mesure de se dire que non, le projet qui vont être entrepris dans notre territoire, là où nous sommes, là où c'est chez nous, doivent être dirigés par nous-mêmes qui sont ces Congolais qui habitent ces contrées-là. Next time, ou bien la fois prochaine, je vais vous dire pourquoi est-ce que les gens ont peur de ce changement où nous remettons la base à la population. Mes chers amis, le projet qui a été adopté par le gouvernement actuel, la fois passée, je vous ai dit que non, elle est en train d'aller vers l'échec. Parce qu'on veut l'adopter dans le système ancien. Et ça ne va pas, ça n'ira pas. Dans le système ancien, c'était quoi? Dans le système ancien, on voyait les projets, même le président Félix a entrepris des projets qu'il a donné à ses proches à aller exécuter à l'intérieur du pays. Ça ne devrait pas être de cette façon-là. La façon dont nous concevons que le projet de 145 territoires, c'est de réorganiser la base. Ce n'est pas encore de donner l'argent à cette population-là en disant que non, nous allons vous donner 10 millions et puis ces 10 millions-là, quelqu'un qui viendra du gouvernement ou bien de la présidence de la République qui ira encore superviser ce projet-là à la base. Non, ce n'est pas ça qui est notre idée. Notre idée, c'est quoi? Notre idée, c'est qu'il faudrait absolument que le peuple congolais, le peuple dans les territoires, puisse s'organiser afin de déceler les programmes qui leur sont chers, de voir les programmes qu'ils peuvent eux-mêmes entreprendre afin de s'approprier de tout ça. Donc, l'ikambo oyo bandeko o bazakolobake non, 145 territoires ba adopté en haut, gouvernement ko supporté en haut, mais modèle ezo kendele, eza modèle moko mabe. Yangwana tozoloba ekoki ko simbate bambongo wana bakotinda po balongola batu na Kinshasa batu bakende ko gérer ba biloko wana ekosimbate. Nous devons d'abord réorganiser le pays afin que nous puissions mettre IGF dans chaque territoire. Nous puissions mettre le ministère des Finances dans chaque territoire. Nous puissions mettre une administration sereine qui se mettra d'accord batu nini ngo siko bako diriger ngo batu ya ba territoire wana. Soki mbongo eko uta Kinshasa mbongo wana eko kiko pesa mateka kaka na banani moko boye ya batu moko boye ba vulumutu moko ba uti Kinshasa
et puis batwana tokoki koloba ke ono batwana nde mutu bako diriger ou bien mutu bako entreprendre. Nous devons commencer à faire confiance à notre peuple à la base, c'est-à-dire quoi? Nous avions donné même le schéma. Le schéma était quoi? Schéma nabiso ezalaki boye. Schéma nabiso ezalaki keno batunyoso. Donc président de la République actuelle, il faut absolument atikananu abolir makambo sena azwa gestion ya pays avec l'idée principale tozongi sa pouvoir na base. Ba action au gouvernement ko banda ko sala et travailler directement na batu oyo bazana kati ya ba territoire na kati ya ba province. Donc pesa ki schéma nini? Tolobi la façon dont le président devrait faire d'abord, c'est de prendre d'initier le projet de changement total et radical Yambo Kanabiso. C'est-à-dire en disant que non, nous allons repartir à zéro en faisant confiance au peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Donnons la parole au peuple congolais à la base afin qu'il s'exprime. C'est ainsi que nous avions dit Tobandana nous na likamboyo ya ba état de lieu à ba territoire. Pourquoi état de lieu à ba territoire? Wanande tokozongi sabato bazana Kinshasa, ceux qui se déclarent de ces territoires là de rentrer dans leur territoire afin de réorganiser l'administration na kati ya ba territoire. Et là, quand on est allé, et point moko ya liboso, otobandai koloba tolobi, président de la République actuelle, comme cette constitution lui donne tous les pouvoirs et qu'il peut implémenter cette histoire-là, azana possibilité à kosala biloko wana. Boma parlement, boma sénat wana, boma gouvernement, mettez, travaillez nanou na ba directeur général et ba département nyonso. Enfin, ba département nyonso wana kobanda kosala nde nini, et kobanda kosala ke. Batuna batu bakobanda sikoyo kosala ba état de lieu ba analyser ba problème o ezole kana ba territoire na bango. Voilà. Donc chaque peuple, chaque territoire devra convoquer une initiative que nous disons que ça voilà. Une initiative que nous disons que ça ce sont les états de lieu des territoires. Ba cause loba makamuni nango masoloni nango bakobeta na kati ya ba état de lieu wana. Masolo o toza ko insister na ngwe zali boye. Ba état de lieu chaque territoire ekozonga na koloba nini yango salemaka awa. Qu'est-ce que nous avons? Économie na biso na territoire na biso zawa. Kokoso e utaka wapi? Tangu ba état de lieu ane ko salema na chaque territoire. Et que ça les manabanani justement na batu o ba uti na Kinshasa o ba député ya kala ba notable ya ba tribu o evandi na kati ya ba territoire on a ba sangana. Et nous avions dit que dans chaque état de lieu na kati ya ba conférence on a donc na ba six on a ba état de lieu qu'il y ait le plus grand nombre possible. Si c'est 300 personnes et ces 300 personnes là seront choisies na kati ya ba tribu o evandi na ba territoire. Batu wana ba intellectuel à chaque territoire, il faut ba vanda ba yeba nani yango parce que batu ba yeba ni na ba territoire. Ezali kambo ya ko lukate. Batu na kati ya ba territoire ba koyeba na oh tribu kingande zabo tozalaka awa na ba tribu 5 tribu na kati ya territoire oh. Batu wana tokobenga bango ensemble ba kovanda et ce sont eux qui vont commencer à dire que non bon voilà organigramme oh il faut to solola na batu nyonso tout yango. Batu ba ko réfléchir sur quoi? Ils vont réfléchir sur la nouvelle constitution parce que bah état de lieu tant que kouta na bakati ba territoire et ko kende ko assemblée ba biloko na nyoso justement na kati ya banani ya ba province ba ko sala ba état de lieu wana o ba décision o ba province ba territoire salema ki ezwama ki e ko ya ko salema lisusu na kati ya ba province. Na kati ya ba province neto ko kende siko na gouvernement central. Alors déjà na kati ya ba territoire, les désignations de nouvelles acteurs politiques qui pourront apporter ba résolution na bango na province kozala. Bat na ba province ba résolution batu na ba province ba kozwa batu batindi ki bango na gouvernement central na assemblée nationale. C'est ce que je veux dire. Assemblée nationale et kozala na batu ba uti na province parce que batu wana ba kozala ka désigné avec na batu oyo Batoa bazaki kosala ba makamu nyonso tout na kati ya ba territoire. C'est ça là le renouvellement de la classe politique. Tolobela ki yango déjà awa. Le président de la République ne sait pas comment est-ce qu'il va renouveler la classe politique. Or, il y a absolument
rien à redire sur le renouvellement politique. Il y a classe politique. La classe politique doit être renouvelée et doit être désignée par la base. Et que la base peut être. Si vous êtes impliqué dans les corruptions et tout ça, que la base, le territoire peut dire que Batouana, Bazo Salamala, Mouté ou bien Bazako. Et puis, tous les projets, ce ne sera pas à Kinshasa, mais Batou Bazako Kende Kinshasa, Eza Batou Bazo Kende Ko soutenir, le programme Oyo, Ezala qui désigné la base. Alors, Nailo Kouanande Toko Talasikoyo, exécutif Ekozala Ndengenin, à partir du territoire, quel sera l'exécutif? À partir du territoire, quel est le système judiciaire qui va régir Batouko Bakangama? Comment est-ce que nous allons. Et puis, notre système législatif, na Katia ba territoire. C'est ainsi que moi j'ai dit, Batou Oyo, les 300 personnes qui seront désignées dans Katia ba territoire, wana, et belé, même la moitié de ces 300 personnes-là trouveront toujours du travail. Bakozwa Kamusala, parce que ce sont, il y aura des gens qui seront Bakotindi Kamakana dans la province, et puis dans la province, Bakotindi Kamakana nani, dans l'Assemblée nationale. Dans Katia Assemblée nationale, wana, au commun, dans ce système, on est salemi. Batunyoso, misala nyoso kobanda déjà ko salemana na katia territoire kuna. Alors, c'est dès lors que na gouvernement central nous n'aurons plus besoin y a ba pléthore y a ba conseiller ou quoi que ce soit na ba ministère ou bien et pas président de la République, parce que les projets seront votés et exécutés au niveau de la base et que la base aura la possibilité de faire le contrôle et l'exécution même na ba baba na ko kangaba o baza ko sala ba biloko mabe na katia ba territoire na biso. Ainsi, le gouvernement central est causé à la dégager. C'est comme ça que nous nous sommes dit, on est à voie de sortie au changement à solo, au tozo lingato sala na kati ya mboka na biso. C'est ça justement que nous sommes en train de chercher. C'est ça. Donc, vraiment, nous pensons que ce projet est Kosimba. Mais c'est qu'est-ce que nous avons vu? Ce que nous avons vu aujourd'hui, boyoka ki awa semaine, je crois semaine passée, au gouvernement lobaki que non. Azako Pesa, projet à 145 territoires, il va signer des contrats avec la Chine. Ça, c'est un scandale. La Chine va venir faire quoi? Quel est le changement? Le projet de 145 territoires, eza pour na quoi approprier Banamboka, Bango Mokoba Sala Moussala. Il faut que Bango Moko, population, Yango Moko et Sala Moussala, nous n'avons pas besoin de tous ces Chinois. Arrêtons de regarder à l'extérieur du pays. Total andengenini mbama miso na biso eko tomitala na nubiso moko. Qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire? Ce qui est là comme sous tozana ngo tokokoki ko salate, c'est dès lors que nous allons commencer à appeler banani msusu ba expertise à Libanda. Et que les expertises à Libanda, chaque territoire tango ba kosuka, ils peuvent appeler na ba territoire o ezana. Excusez. Ils ont appelé pléthore d'ingénieur. Batumusu baza koloba que non. Écoutez, na territoire mususu, ezana ba nani qualifié. Mais dès que ces gens-là seront patrons dans leur territoire, ils pourront faire appel à n'importe qui. Tant qu'on a territoire baza à mesure à engager batu. Baza en mesure à koyeba que ah tozana mbongo ebele. Voici ce que nous pouvons faire. Mais tozana kaba cadre te. Toko lancer offre et que beaucoup moins la compétitivité na katia ba territoire kozala. C'est ça donc, il faut que le territoire puisse être s'approprier de leur destinée. Bandeko oyo gouvernement sala ki ke ko lingé signé qui je crois avec la Chine, parce que c'est une information scandalisante qui ngai. Je ne suis pas d'accord dans ces problèmes-là. Batou baza ko s'approprier na projet oyo à 145 territoires ba exécuter ngon na modèle oyo. Pour l'exécution de ce projet, nous pensons absolument qu'il faut préparer la 4e République. Yango plaso nanga na kosuka lelo. Nous allons préparer la 4e République. 4e République, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Batou Oyo, le peuple congolais va se prendre en charge et que nous avons un autre système. Oeza par centralisation. Nous pouvons avoir le fédéralisme, fédéralisme. Non, mais de toutes les façons, avant de définir quoi que ce soit, allons à la réalité. Faisons ce qui peut être exécutable pour Nambo Kanabiso Ezong et Matalikolo.
Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous sommes pratiquement... Je disais, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. De gauche à droite. Donc, nous pensons effectivement que ce projet de 145 territoires, dans le modèle au gouvernement signalé, Bangonaba chinois, Ekosimbate. Alors, merci beaucoup. On se revoit encore une fois prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Nous rentrons déjà sur Johannesburg ce vendredi. En tout cas, Cape Town nous a accueillis. Nous remercions encore les gens qui nous ont accueillis ici, Batounion, surtout effectivement le Banande d'ici en Afrique du Sud nous ont aussi accueillis. Et nous avons continué à. Nous avions parlé aussi de ce projet à toutes les communautés qui nous ont accueillis. Et nous avons réussi vraiment feedback Moko ya Malam. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Continuez à vous abonner sur Contact Pro Live. Nous sommes en train de faire un effort pour vous apporter des choses, des bonnes choses qui pourront élever conscience à Binognoso. Portez-vous bien, au revoir.